Pas mal, monsieur le directeur. Excusez-moi, monsieur le directeur. C'est ça, l'équilibre. Mon petit Tony, hein? Vous travaillez bien, mon petit Tony, hein? Vous n'avez rien d'autre à faire? En plus, ça, là, c'est de la triche avec une tête de balai. Hein? C'est facile. Allez, hop, au boulot. Monsieur Tony, attaché à l'atelier. Bien. André? Monsieur le directeur. Hop. Et bien. L'équilibre en trois points, s'il vous plaît. Je déteste qu'il y ait des gens derrière moi. Ça m'énerve. Bien. L'équilibre en trois points. Un bâton. Je lâche. Ça tombe, André. Et les balais sont toujours rangés ici. Oh, pardon, excusez-moi. Ah ben, deux bâtons, André. Ça tombe. Trois bâtons. C'est qui m'a mis du plastique ici, hein? Les Chinois, monsieur le directeur. Là, André, je déplace le trois points. Oui. Vous voulez un bout de gaffe, monsieur le directeur? Non. Obtenons l'équilibre parfait. Monsieur le directeur, il y a aussi le petit B. Le petit B, oui. Le mouvement qui stabilise les poids. Je peux le faire, monsieur le directeur? Allez-y, André. C'est vrai? Oui, oui, allez-y. Attention. Le mouvement qui stabilise le poids. Entrez. Non, entrez. Non. Non, c'est comme ça. Comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Et voilà. Hop. Et ça tombe. Car quand c'est plus en mouvement, ça tombe. Voilà. Comme disait Einstein, la vie c'est comme une bicyclette. Pour pas tomber, il faut avancer. Bien, nos points de vue s'équilibrent, hein, monsieur Tell. Vous rangez un peu pendant ce temps-là, nous, on va continuer en mouvement pour pas perdre d'équilibre. S'il vous plaît, tout le monde devant, monsieur Tell.